africain. Mais on se fout de Dieu. Alors maintenant, tout le monde reste bien calme. Et on va les aider à démissionner. Hein? On va les pousser à la guillotine, t'inquiète pas. Moi, je les aiderai pas à démissionner. Je les mettrai dans la guillotine directement, tous. Bravo. Bravo. Encore une prise de parole, là, s'il vous plaît, là. Je me sens un peu seul, là. Liberté! 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 C'est honteux ce que Macron et toute sa clique de satanistes nous fait subir. C'est une honte. C'est une honte. Oui, c'est vrai que nous ne sommes pas dupes. Nous savons très bien que le Covid est un instrument pour nous asservir. Il faut se réveiller. Ces gens-là ne sont pas légitimes. Vous avez au Conseil constitutionnel Fabius, qui a été inculpé dans l'affaire du sang contaminé. Son fils, Victor Fabius, qui est à la tête de McKinsey, le cabinet qui s'occupe du programme de vaccination en France. Quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux? Quand est-ce qu'on va les chasser? Ils ne sont pas légitimes. Honte à eux. Destitution. Il faut annuler leur protection parlementaire. Il faut refaire les textes de loi. Nous avons tout dans la Constitution pour nous défendre et pour les faire démissionner. C'est absolument une honte. C'est une mafia. C'est une mafia qui nous ment. Tout cela est illégitime. Ouvrons les yeux et battons-nous. Demain, nous les vaincrons. Liberté! 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 Ils veulent nous enfermer chez nous! Ils veulent nous sortir des villes! Ils veulent faire une autre société où le riche et le fort domineront! Le faible et le pauvre, il vivra dehors, hors des villes, dans des ghettos. Réveillez-vous, liberté, 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 liberté. Il bafoue nos droits! Il bafoue nos droits, ces gens-là! J'ai pas dit grand-chose, mais bon, attends! Ils sont corrompus! Hâte à la corruption! Hâte à la gabegie! Hâte à la corruption des puissants! Hâte à la corruption des médias! Nous vivons dans une oligarchie! Et c'est plus possible! Allez, le peuple! Allez! Jusqu'au bout et sans violence! Allez! Liberté! 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 C'est pour ça que j'ai traversé la mer! C'est pour vivre dans un pays libre, pas dans une dictature! Liberté! 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 Il y a trop de gens qui ne veulent pas parler. Ils sont partout. Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre.
5 heures pour prendre un car à train. Parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chiffaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez les non-voix, elles annoncent la guerre. Une fois j'ai dit, les prenons du victoire sur les marches, la question de frapper vite. Les 40 derrière tout ça, c'est la vie de la vie de la vie. J'étais heureux pour ce qu'il y a. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Oh bah oui. Bah oui, moi je suis proche. Je suis là depuis le début. Hein. Moi aussi. Ça c'est nouveau ça? Oui, ça aussi. Ça aussi. Bah oui. Pas de vaccin, libre choix. Bah oui. Et ça c'est libre choix. Corona Covid. Ah oui, c'est vous. C'est toi qui l'as inventé? Non, non, non. C'est, d'accord. C'est une, amis, une copine qui l'a fait, qui l'a inventé. Ils l'ont fait en... Et toi là, c'est un vrai musée ambulant. Ouais, ouais. Super beau. Neri, corrompue, halte à la manipulation médiatique. Ouais, je te dis pas, c'est beau. Ah, 77. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est magnifique. Il est magnifique à votre... Il y a beaucoup d'idées.